tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on découvre la démo de Lego Brick Tales, un jeu dans lequel on répare des machines avec des Lego. C'est un jeu très fun, bien pensé, qui m'a vraiment surpris et que l'on va donc découvrir ensemble. Donc là on est juste après le tuto. Dans le tuto, on démarre dans un laboratoire en sous-sol, il faut réparer des machines, des générateurs, des pompes pour retourner à la surface où il y a ce parc d'attractions en mauvais état qui a été prêté par la mère de la ville voisine. Elle nous l'a prêté en échange de nos services, on est censé réparer les attractions pour rester sur place. Le problème c'est qu'on n'a rien fait du tout. Le délai est presque terminé et il faut donc faire quelque chose d'un petit peu fou pour être dans les temps. Donc on va construire une machine quantique qui va redonner la jeunesse à ces attractions pour leur redonner leur gloire d'antan. Et pour cela, il nous faut beaucoup d'énergie que l'on va obtenir en rendant les gens heureux. Donc on va visiter différentes cartes, différents biomes où il y a du monde à aider. On obtient ces cristaux, on alimente notre machine et le parc d'attractions redevient tout neuf. Alors, vous êtes prêts? Hop, on continue la partie. Donc premier biome, la jungle. Je ne l'ai pas fait, donc on va voir ce qui nous attend. Alors. Donc on est accompagné par Rossi, un drone qui a été construit par notre grand-père, si je ne dis pas de bêtises. Ah, de la verdure, de l'air frais et des ruines mystérieuses. Partons explorer. Ah, explorons. Ah, alors là, il y a déjà un petit projet qui nous attend, sûrement. Ouh. Un avion s'est écrasé? Ouais. Énorme. Ouh. Dommage, on n'a pas vu le crash, mais bon, on va sûrement voir l'épave. Oh non, vous avez vu, ce petit avion s'est écrasé dans les montagnes juste devant nous. J'ai vu des parachutes s'ouvrir, j'espère que tout le monde va bien. Donc je pense qu'on va obtenir l'énergie en aidant ceux qui ont sauté en parachute. Nous devons aider ces gens immédiatement. Alors là, construire quelque chose. Construire des escaliers pour atteindre le sommet, d'accord. Donc ouais, vous avez des cartes, différents objectifs qui vous sont proposés avec... ben voilà, ok, donc là on doit aller en haut, ben je pense que ça va pas être trop dur. On va faire ça comme ça. Voilà, donc je l'ai posé là. On ne peut construire que dans la zone quadrillée, dans le cube que vous voyez là. Et les Lego, ben, se connectent. Alors, je vais peut-être devoir faire ça comme ça. Parce que je pense que... On est bien droit, ouais. Hop. Je pense que je vais pas avoir cette distance si je les mettais, vous voyez, au bout l'un de l'autre. Ok. Ah ouais, je vais en avoir trop. Donc ça, c'est le premier objectif qui est simple, bien entendu. Je peux pas faire la connexion là. Pas grave, on va te mettre là. Ok. Simulation. Est-ce que c'est assez résistant? Ouais, ouais, parce que oui, il faut que ça respecte un minimum quelque chose de solide, vous voyez. Parce que sinon ça s'écrase. Il y a quoi derrière? Bouton, je pense pas. Ok, alors là c'est bon, on va en haut. Hop, je me suis loupé. Ici. Ah! Construire une passerelle pour traverser la rivière. Alors, donc, pour ce petit pont, on a ça qui va probablement être pour la plateforme. J'ai des supports et on a ça. Donc ça, ça va sûrement au-dessus. Si je fais ça. Voilà. Ah, le problème, c'est que c'est pas assez large pour ça. Donc, je peux utiliser... C'est quoi ça? Pas ça. Oui, d'accord, il y a bien des connecteurs en dessous. Je sais pas quoi il va se faire, ça. Oh, ok. Du coup. Ouais, alors si je fais ça déjà, pour pouvoir continuer ici. Hop. Voilà. Pareil là. Non. Là. Je vais descendre. Ça, ça me permet de faire cette connexion là. Ouais, on va essayer de faire la plateforme en premier. Voilà. Bon, maintenant, toi, mets là. Donc, c'est pas mal. Ouais. Je pose la pièce et j'appuie sur A ou E pour la montée et la descente. Toi. Là, je vais vérifier si la longueur est bonne. J'ai l'impression que ça va pas être bon. Si, c'est bon. Ouf, okay. Je crois qu'il manque une case. Ah, il me manque un. Il me manque un. Mais non, bon, c'est pas grave. Un petit peu grave. Pourquoi est-ce qu'il m'en moi? C'est pas cool. Donc là, je suppose que ça va pas tenir le coup. Hein. Hop là, il s'est croûté. Pas de surprise. Bon, alors, on va voir pour ce dernier morceau. Mais là, du coup... Donc je suppose que ça c'est la même longueur, donc on va te mettre là.
Là. Ah bah non, non, je peux pas le mettre là, zut. Oui, il faut ça. Ok, je vais te mettre là. À la connexion entre les deux. Voilà, et je te mets en dessous. Ok. Donc là, si je fais ça. Et ça. Voilà, je peux mettre le suivant. D'accord, donc c'est comme ça qu'on va s'y prendre. Voilà. Voilà. Non, c'est le côté là. Alors, je peux faire ça. Alors, je peux utiliser ça. Et ça, je sais pas si ça va tenir. Est-ce que ça va tenir? Je sais pas trop. Si je mets ça en dessous. Et avec ça. Ok. Bah tester. On est bon, on est bon, on est bon. C'est là qui m'inquiète. Ok, alors il faut qu'un casse, donc ça c'est pas bon. On va te retirer. Ou alors, est-ce qu'il y a bien des choses en dessous peut-être s'il me reste. Ok, si je te mets là. Et je mets ça en dessous. Voilà. Ok. Est-ce que c'est connecté? Oui, c'est pas connecté. C'est pas connecté, donc c'est pas bon. C'est une case plus bas à cause de ça. Donc si je prends ça plutôt. Et je mets ça là. Ça devrait être bon. Ouh, génial, génial. Bon bah ok, pour réparer. Ah, et en plus il est représenté exactement comme on l'a fait. Ah, ce pont est solide. Voulez-vous tout de même laisser parler votre crête? Ok, regardez, regardez quoi. Ah, ici là. Ah mais j'ai... Qu'est-ce qu'il veut me faire? On va essayer, on va voir, il y a quelque chose d'autre là-bas. Activer le mode bac à sable. Oh. On peut utiliser des briques supplémentaires. Pour le rendre plus joli. D'accord. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est la couleur. Et je sais pas trop quoi mettre, en fait. Ça me convient, là, ce que je fais. Hein. C'est simple, mais fonctionnel. Ah, tab. On trouvera d'autres briques. Donc si je prends ça, je peux faire tab et je peux dire je te veux en jaune. Ah non, il fallait, c'est trop tard, ok. Il faut le reprendre. D'accord, bon bah c'est comme ça, d'accord. Intéressant, mais je veux continuer l'aventure. Alors avant de continuer l'aventure vers là, je vais ramasser ça. Non, ok, c'est un morceau d'avion. Parce que là-bas, j'ai l'impression qu'on va quitter la zone. Pas passer là. Donc on est bloqué, on peut rien faire ici. Je peux pas tourner la caméra, je peux pas dézoomer, je peux pas voir ce qu'il y a là-bas. Il y a un coffre là-haut. Mais je ne peux rien faire. D'accord, bon bah on continue le chemin, peut-être faut revenir là plus tard. C'est peut-être aussi car c'est la démo, ce qui est vers le nord. On peut peut-être faire un tour et revenir ouais, de l'autre côté de la carte avec une autre connexion. Allez, tu coincé au secours, j'ai besoin de... Ah, statue du paléo. Palégolithique. Ok. À l'aide, à l'aide. Très bien. Ne vous inquiétez pas, nous vous ferons descendre de là à la vitesse d'un cycle de chargement d'un mouton électrique. Okay. Alors, du coup... Est-ce que je m'occupe du bonhomme ou je laisse admirer la statue? Ouh, ça s'est bloqué. On va devoir aller l'aider. Ok, pas le choix. Attendez! Quoi?
Je pense que cette plateforme n'est pas assez stable pour supporter plus de poids. Nous devrions la consolider. Ok. Regardez-moi ça. Petit lézard. Oh! Oh! C'est un caméléon. Quel bel animal! Il pourrait nous servir à l'avenir ou il sert juste à être mignon. D'accord. Ah bah je m'y attendais pas à ça. Du coup. Un support pour la plateforme. Donc là on a la plateforme et il faut le support. Je suppose qu'il en faut au moins 2 ou 1. Si on lance la simulation. Boum. Ah, ok. Ah, d'accord. Donc il y a déjà ces supports natifs de l'autre côté. Donc il faut vraiment les mettre là. Et on a ça en encre. Ok. Bah, je peux faire ça. Ah, parce que j'en ai que 5. Ah, voilà. Au-dessus. Ah. Où je retire le mage. Je fais clic mage pour multiplier, mais. Ok, je crois que c'est le max. Ouais. J'ai 100. Ok. Voilà, premier. Maintenant, il va falloir faire le deuxième. Et le deuxième, je sais pas trop comment le faire. Il va falloir faire le support de là. Génial. Qui? Je vais le chercher, je fais ça. Faire ça. Ah, là j'ai trop loin. Ok. Ok. Bon. Il faut bricoler parfois. Alors, l'archéologue fébrile. Cet endroit est incroyable. Je suis là depuis moins de 5 minutes et j'ai vu tellement de choses. Merci de m'avoir aidé. Je suis archéologue et j'explore cette région. J'étais à deux doigts de croire à la malédiction de l'esprit des montagnes. Maintenant que vous êtes là. Ouais. Ah, pas d'autre forme de vie? Il y avait deux autres personnes avec moi, notre pilote et un journaliste. Ok. Où l'avion s'est écrasé. D'un atterrissage en urgence au haut de la montagne. D'accord. Prenez ce fouet. Tout bon archéologue se doit en avoir. Ben, merci. Ah, vous pouvez désormais vous balancer jusqu'à des endroits en hauteur. Oh. Ok, peut-être que si on retourne en arrière, on peut y avoir accès. À la zone où il y a le coffre. Très bien, alors on retourne juste à la zone d'avant. D'ailleurs on a une belle afro. Hop. J'aimerais que les animations soient un petit peu plus fluides parce que parfois c'est un peu saccadé quand on monte descend, c'est dommage je trouve. Alors là. Ah, ici. Hop. Boum. Des bananes. Vous avez dit banane. Ouais, c'est utile, hein. Si on a besoin de manger. Oh, là-bas, il y a un petit. Oui. Ah, je peux pas passer. Il va sûrement falloir un autre outil pour casser ça, d'accord. Et donc, on continue le chemin. Hop là. Ah, on va en intérieur.
Nous n'avions pas encore trouvé cet endroit et pourtant l'entrée me semble... me paraît étrangement familière. Ouais. Chercher les autres près du sommet, c'est notre quête. Je peux pas casser ça pour le moment. Ah! C'est une technologie extraterrestre. Lorsque j'irai dans l'espace, j'en ai rencontré et ils ont changé ma vie. Ok. Alors, bah on y va. Je chope ces nouvelles connaissances. Je me demande ce que ça a changé. Je sens ma force. C'est comme si j'étais capable d'arracher ces lianes. Oh! Ok. Ok. Très bien. Donc je sais qu'il faut à nouveau... Oh, ok, il faut à nouveau retourner en arrière. Ou alors c'est là le cul-de-sac. Non, 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 non. Remonte, remonte, remonte. Shift. Génial. Ok. Je peux péter ça aussi? Non, pas celui-là. Ah, il y a une descente là. On continue. En fait, c'est juste pour repartir en arrière. Donc, on a débloqué la technologie. Allez, hop, on pète tout. On a débloqué la technologie. Donc là, il faut retourner à la première zone. Je pense. Ah, quoique, il y a peut-être quelque chose dans celle-là. À voir. Utiliser le fouet. Ah, c'est espace, le fouet. Hop là, Indiana Jones. Alors, ici. Ah. Ah, ah. Un Bernard l'ermite. Très bien. Avant de péter ça, à nouveau, on a des choses à faire là. Ah la coccinelle. Ça. Hmm. Oh, quelque chose de caché en dessous. Je peux pas sauter. Je peux pas descendre pour le moment. Peut-être plus tard, un autre outil. Ok. Alors, par contre, on a un chemin là. Ouais, pourquoi j'essaie toujours d'appuyer espace pour faire cette attaque? Ça me semble plus mieux ça pour l'espace que majuscule. Ah, oula, on a quelqu'un d'autre là. Ah non, c'est l'archéologue. Ça c'est le campement. C'est ça. Un autre Bernard l'ermite. Ouais, il y a plein de secrets un petit peu partout, c'est cool. Tu vois ce que je vais faire là? Ah, un coffre. Tu as des bananes? Ouais. Alors, on va sûrement croiser les singes à un moment et on va payer leur service avec les bananes. Voilà. Plus de bananes. Ouais, bah, on a un sacré stock de bananes. Bon, alors du coup, on retourne de l'autre côté. Je vois pas grand chose. Ah si, ça. Ouais, vraiment ça devrait être sur échappe ça. Space, pardon. Plus de bananes, bah dis donc. Ok. Bon bah maintenant qu'on est chargé en bananes, on peut aller à l'autre zone et retirer les lianes qui bloquent le chemin. C'était un truc bizarre. Alors. Pam. Ça bloque la statue en fait, c'est ça? Ok. Je pense... Ah.
Oh. Oh là-bas, un oiseau. Est-ce qu'il va fuir ou est-ce que je peux le capturer? Hop, merci! Ok, donc pour le moment, je sais pas dans quel sens le mettre. Là, il va sûrement falloir construire une statue identique. Oh purée, c'est une misère. Copier la statue de singe. Copions-la. Alors. Ah, ok, donc j'ai des morceaux. Ah, alors, ok, alors. Ouais, je vais la mettre dans le même sens, être plus simple pour moi. Donc, ça, vers le bas. Ok. Ça vers la gauche. Voilà, c'est plus facile. Juste que. Ouais. On peut s'imaginer les choses en 3D. Mais on est tous un petit peu différents. Sur ça. Hop. Alors, avec ça demi. Maintenant. Derrière, c'est quoi qu'il y a derrière là? Ah, c'est ça. Qui va là. Ensuite. Il y a ça là. Très bien. Et à l'envers. Voilà. On a ce bloc blanc avec les épaules qui va là. Allez. Ensuite, on a le bec. Finalement, c'est plus simple que je pensais. Je m'attendais à devoir vraiment mettre chacun de ces blocs un à un. Ouais. Et la tête. Parfait. Une porte secrète vers le cœur de la montagne. Allons voir ce qu'il s'y cache. Bah ouais, on est un... Ouh. Biologiste passionné. Cet arbre humain. Je suis là pour étudier des animaux rares, en particulier des de fascinants caméléons. 20 spécimens. Ah bah j'en ai un. Ok, donc c'est lui, au biologiste, que l'on ramène ça. Alors là-haut, il va sûrement débloquer ce qu'il y a là, je suppose. Alors, continuez le chemin. Appuie sur échappe. Ouh, moi des fois... Oh d'accord, c'est pas mal. Alors du coup, ce que j'ai fait tout à l'heure quand on était en début de vidéo, dans le parc d'attractions, on peut monter là. Puis on peut aller là-haut, ce qui va nous faire changer de zone. Ça, c'est pas un problème. On a une autre zone là-bas. Ah, comment accéder à cette zone? Là, il y a un levier, puis il y a ça. Il y a un coffre. Il va être plus dur d'arriver. Allez, à cet endroit. Ok. Alors. Ah, coffre. Je peux pas construire quelque chose là. Donc, je peux rien faire là. Ok. Il n'y a rien là. Ok, il n'y a rien. Si je me mets là et que je sors le mode observation. Il y a une porte là-bas. Qui va mener à là-bas. Mais elle est fermée de toute façon. Et pourquoi est-ce que je peux pas aller plus loin? Je pensais pouvoir... Si tu peux aller jusque-là, ok. Bon. Bon, pour le moment, on ne peut rien faire. On monte. Je ne peux pas activer ça. Allez, c'est Bernard l'ermite, c'est à moi. Ok. Ça, c'est trop haut, je peux pas y aller. Là.
La sortie à ça. Parfait, on baisse le coffre. Est-ce qu'on peut sortir par là? Alors, maintenant le problème reste les portes fermées qu'il y a hier. Plus de bananes. Alors on va être chargé en bananes, hein. Mais bon, j'ai rien débloqué d'autre, je pense. Alors on va ressortir le mode de vue externe. Toujours quelque chose à faire là. Et je sais pas après, je peux pas le comprendre. Ça. Ça brille. Donc on va avoir quelque chose avec ça dans le futur, je pense. Un autre morceau d'avion ou c'était là où on était avant? Alors, un pont, je suppose. Un escalier. Le départ est où? Ah, c'est là que l'on a. Donc je dois aller de là à là-haut. Qu'est-ce qu'on m'offre? Ah, il va falloir sûrement faire tac, 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 tac. Puis remonter là. Et il faut atteindre à ce niveau-là. Alors... ça. Est-ce que comme ça, ça tient? Quoi? Pourquoi tu vas là-bas? J'espère que tu vas aller là, hein, parce que... si je fais ça. Voilà. Mais comme ça, parce que je veux plus de support. Et j'ai peur que... Ah, putain. Et j'ai peur que le robot se loupe. Voilà. Qu'il se loupe, vous voyez qu'il essaye de passer à... Donc là... Est-ce que... Ouais, on peut continuer. Donc là, j'arrive à ici. Il me faut un support. Je pense que je vais pas en mettre là. On va faire ça. Maintenant, faut pouvoir tourner. Voilà. Ensuite on monte, hein. Je sais pas si c'est ça qu'ils veulent, mais... est-ce qu'il faudrait un support là? Si. Quoi? Tu es passé où? Ah, tu t'es mis, ok. Ah, je peux utiliser ça plutôt. Voilà. Pour un plus.
Voilà. Allez, on fait les supports, même si on n'a pas tellement besoin, mais je me dis, pourquoi pas, quoi. Allez, test. Quoi, qu'est-ce qu'il me dit? La largeur maximale d'une marche est de 3 plaques. C'est pas bon? Oh, c'est bon, on est d'accord. Ok. C'est juste qu'il y avait des conditions, je les avais pas fait cap. Ok. Oh, à part ici. Ouh. Ah, c'est de la monnaie, les bananes. Alors, on va plutôt prendre... Ça, c'est pour la déco, ensuite. 15 bananes. 100 bananes. Mais 90. Bon, on va prendre... Ça. Je peux l'équiper ? Non, on va garder notre afro, du coup. Ok, on va pouvoir débloquer ça. Allez. Hop. Ouais. Voilà. Il me reste combien de bananes? 12. Ensuite. On continue vers là-bas. Ouh. À l'aide! À l'aide! Ok. Là, c'est l'avion. Oh, énorme. Ok. Alors, avec tous les morceaux d'avion qui jonchent le sol, nous devrions pouvoir construire une machine volante. Ouh, nous avons besoin d'une hélice et d'un endroit pour la construire. Et l'hélice, elle est là. Un endroit pour la construire. Ça là? Ah non, pas le bouton. Siège de pilote. Allons le sauver. Ah, je préfère une échelle là ou un... Non? Ok, on va faire une machine volante. Pas de problème. Construisez un autogire en utilisant les pièces détachées pour sauver le journaliste. Alors. Ok. Ok, faut sûrement mettre ça au-dessus. Ah, ça bloque le bras. On va te mettre là. On n'a pas d'autre. Ok. Maintenant, il faut aller plus haut. C'est pas toujours une meilleure idée de copier. Ça.
Non? C'est quoi ça? C'est quoi cette chose? Ça, ça se met sur le côté peut-être? Ça peut aider à décoller également? Mettre ça donc devant ou derrière. Trop long. Je vais te poser là. Est-ce que ça, ça se connecte pas, ça se pose. C'est quoi cette chose? C'est si je te mets là. Ok, j'ai pas besoin de ça. Je pensais que c'était des hélices feuilles, vous voyez, tout le long. Ah ok, alors retour. Du coup, j'ai pas besoin de ça. Pas besoin de ça, c'était des pièges. Ouais, je pensais que c'était des hélices. Je sais pas pourquoi je pensais ça en fait. C'est juste des plantes. Et c'est quoi ça, les rouges? Ok. Ça, ça va être. J'ai pas besoin de tout ça. Vous allez me crier dans les commentaires, mais pourquoi tu essayes de faire ça? Qu'est-ce que tu. Y'a pas un autre rouge? Un autre rouge. Okay. Si. Allez. Derrière. Ou plutôt, faut faire rouge. Pour freiner et éclairer. La mince. Voilà. Ensuite. Je vais te poser là. Voilà. Un petit peu d'aérodynamisme. Et ça va être bon. Simulation. Voilà, beaucoup plus stable. Oh, ce petit piège qu'ils m'ont mis. Et alors, par contre, là, j'ai de la place pour deux sur mon petit véhicule. Okay. Priorité, le lapin. Pas avoir toi. Ah, zut, ça me fait redescendre. Ok. Plutôt aller là. Non. Petite coccinelle. D'accord, faudra peut-être revenir le sauver une fois qu'on a les bons outils, ce qui est possible. Mais bon, on va s'arrêter là, on a une quarantaine de minutes pour cet épisode. C'est déjà pas mal, le jeu est très fun, hein. Moi je m'amuse. Ils ont bien... Je ne m'imaginais pas qu'un jeu Lego pourrait fonctionner. Voilà. En dehors, vous voyez, d'avoir un jeu où on ne fait que construire
un décor avec les Lego 1-1. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait quelque chose comme ça avec du vrai gameplay qui soit fun et fonctionnel. Et ils ont réussi à trouver la bonne formule. Alors c'est pas le premier jeu du genre. J'ai présenté un autre jeu où il fallait également assembler des pièces pour progresser avec un visuel assez similaire. Je me rappelle plus du nom du jeu. Mais ouais, ça fonctionne avec les Lego parfaitement. Et le résultat est là. Voilà, donc merci à vous. Si vous êtes intéressé, la démo est dans la description. Et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye.